Coucou! Oh! Salut à tous, aujourd'hui c'est Yuka à lunettes qui vous accueille pour la suite de Resident Evil 2 Remake parce que contrairement à ce que j'ai dit, nous allons continuer l'histoire avec Claire cette fois pour essayer d'avoir la vraie fin parce que celle qu'on a eue nous laisse un petit peu sur notre femme. Bref, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage! Voici avec Claire Redfield et son magnifique petit. Tu me connais, ça va aller. Oui, ça va aller, bien sûr. Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète pour moi? Bah voyons, je sais pas. C'était quoi ça? Pourquoi pas? C'est mieux quand des gens s'inquiètent pour soi. Wouh! Zombie! Tirez pas! Baisse-toi! Oui, on a déjà vu tout ça. C'est là qu'elle va développer son crèche pour Léon. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Mais moi, je leur avais mis leur petit costume. Ouais, Léon Kennedy. Quoi? Tu es flic? Non, sans blague. Claire Redfield. Bim. J'aurais dû faire dans les épisodes précédents. Oui, ça va. Oui, ça va. T'inquiète, je vais m'en sortir super bien. Je me ferai mordre au moins une cinquantaine de fois, mais tout va bien se passer. Bon, bah, nous voici partis pour le scénario avec Claire. J'espère que... Il paraît que certaines personnes se sont plaintes que le scénar était assez identique à celui de notre ami Léon. Et ils avaient raison! Après ce passage épisodique dans la cour, on va se retrouver dans le commissariat. Oui, le même que Léon. Et on va devoir tout refaire, jusqu'au combat contre Birkin. Oui. Ça bouge pas. Tu fais de glisser en dessous, t'es pas non plus... Oui. Bonjour. Enfin, quelque chose de différent. Salut la gosse. J'ai vu ta photo sur le bureau de Annette Birkin. De sa fille. Tu veux que je t'aide? Viens, attrape ma main. Non. Tu es un enfant de jeux vidéo. Oui, je sais. Désolée, j'ai pas compris. Ok, vous êtes tous cinglés dans la famille. Pourquoi? Il est juste derrière toi. Mais normalement, il est mort. Pourquoi est-ce que je me le recoltine encore? Coco Birkin. J'ai 4 munes ennemies, hein, donc honnêtement. 4 munes ennemies, pas de soins. Pas pour dire, mais. C'est mal barré. Oh non, c'est pas vrai. Merci. Et le combat s'est déroulé exactement de la même manière. Voilà! Allez, ça dégage. Meurt une deuxième fois de la même façon. Le mec, quand même, il s'est acharné. A tombé dans le trou. A remonté. Et a retombé dans le trou. Je sais pas. Est-ce qu'on est censé jouer? Ah oh, mon dieu. C'est pas grave. Tranquille. Est-ce qu'on est censé jouer Claire comme si c'était rien passé avec Léon? Bah non, parce qu'il a laissé des notes et tout. Donc Birkin est mort dans les sous-sols. Et a renaquis pour pouvoir se rebattre avec nous. Enfin, c'était bizarre comme principe. Petite. Yamine, tu peux venir. Ton papa est mort. C'est pour la première fois. Ça va se refaire plusieurs fois, t'inquiète, mais il est mort pour la première fois. Oui. Oui, c'est promis. Tout va bien. Hyper bien. Est-ce que tu pourrais abaisser Oui, s'il te plaît, sers à quelque chose. Tu m'aideras à retrouver ta maman? Oui. C'est-à-dire que ton papa transformé en monstre répugnant va la tuer. Mais c'est pas grave. Oui. J'espère. Oui. Oui, bien sûr, je vais t'aider. Et toi, tu m'aideras à retrouver Léon, l'amour de ma vie. Comment je sais pas quoi, enfin bref. Elle travaille à Umbrella. Elle fabrique un nouveau médicament important. Umbrella? Oui, très important. Ma maman travaille beaucoup.
Je la vois pas souvent. Oh, avec un peu de chance, tu la reverras bientôt. Moi, mes deux parents sont partis. Je n'ai plus que mon frère. Oui, qu'on ne retrouvera pas d'ailleurs. Désolée. Pas de soucis. T'inquiète. Et ça nous fait quelque chose en commun, ouais. Ah bah, on va voir les clubs directs ici. Merde. Mince. Il nous faut la carte. Il nous faut la carte. Apparition des clébards. Hé, hey, aide-moi. Ah. Vas-y, gamine, utilise ta force de... C'est un échec. C'est par là. On est déjà passé par là avec maman. Chérie. Chérie. Ah, elle s'appelle Chérie. Oui, donc c'était lui qui l'appelait. C'était courageux de sortir de ta maison au milieu de tout ce bazar. Oula, le vieux pervers. T'es qui, toi? À terre, les mains derrière la tête. Attendez, c'est une blague. Non. À terre, j'ai dit. Ok. T'inquiète pas, je fais que dans les petites filles. Laisse-moi sortir ce truc de mon cul. Pourquoi vous faites la ça? La ferme. Ligote-la. La ferme, ligote-la. Quel enculé. De fuck. La ligote tout de suite, ou alors elle crève. Dis, mec, il va falloir arrêter les McDo, hein. Ça te rend pas aimable. C'est quoi ces conneries? Mise en danger d'enfant, pour commencer. C'est le chef de la police! C'est ce fils de pute! D'accord! C'est un gros trou du cul! Dans tous les sens du terme. Ok, d'accord. Mon frère est dans le stars. Si tu la touches, je te jure que. J'adore frapper les femmes! C'est ce qui m'a conduit au sommet. Gros porc. Dis-moi ton putain de nom. Claire! Chérie, tu viens avec moi maintenant ou tu peux dire adieu à Claire. Ok. Ok, ok, j'arrive! Mais ça va, c'est bon. Voir ma mère. C'est oui, bon, bien mais... sûr. Ne l'écoute pas, c'est si tu peux l'appeler comme tu veux. Lui faites pas de mal. Putain, ce type quoi. J'ai pas d'ordre à recevoir d'une gamine. Arrêtez. Oh mais toi, quand je vais pouvoir te défoncer la gueule, mon gros. Personne t'a enseigné les bonnes manières. On va y arriver. Ah, tu vas voir. T'aurais, enfoiré. Oh fils de pute. Dans tous les sens du terme, parce que t'es vraiment gros. Si, si, c'est un médaillon. Tiens bon, chérie. On va te sauver. Parce qu'on est gentil. Et comme on est une femme, bah forcément, nous, on s'intéresse aux petites filles. D'abord, la carte d'accès. Et ensuite, je vais faire payer cet enfoiré. Parce que, ouais. Léon, c'était la bonasse, et elle, c'est les petites filles. C'est pas un peu cliché, tout ça. Bon, après, ça a été le niveau du parking, hein, pareil que pour Léon, sauf que cette fois, on a débarqué dans le bureau du chef de police. D'accord. Oh là là! Oh, le bureau du directeur, quoi. Ah, c'est chargé, hein. Oh la vache! C'est kitschissime. Journal de taxidermie. Cerf de Virginie. Tigre de Sibérie. Truie. J'ai failli jouir quand j'ai ouvert son ventre et que ses entrailles en sont sorties. Je sens encore le fauve. Ça, c'est la vie. Chef de la police, il a le tigre en question. Sympa. À la place de ça, on l'aura là, ok. Et le badge, ok. Un dodo, sérieusement. Et oui, après, il a fallu surtaper tout le commissariat pour retrouver les parties du panneau électrique aux mêmes endroits que là où on les trouvait avec Léon. On a le badge. Téléphone. Téléphone. Très joli téléphone. Très classieux. Probablement en ivoire, je sais pas quoi. Vas-y. Allez, décroche. Allô? Allô? Au revoir, Claire. Merci. On a une affaire à régler, toi et moi. Ok. Dans le quartier. Tu le trouveras. Et dans le quartier. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Belle couille. Ah, sale mioche, si tu n'avais pas laissé tomber ce truc, j'aurais pu te libérer. J'aurais pu te libérer. Laissez tomber ce truc. Le mec, il était chargé de la protection des ghosts, mais... Ça sera bientôt fini.
Mais tout ça sera bientôt fini. Oh putain, le gros dégueulasse. Oh, je vais jouer la gamine, sérieusement. Nous sommes donc dans un orphelinat. Chérie a été adoptée, j'imagine. Ou alors l'orphelinat, c'est l'endroit où il s'occupait des enfants des gens d'Ombrella. Ah, il y a quelqu'un de mort là. Heureusement qu'en tant qu'enfant, t'es pas vite choqué. Apparemment, disséquer les gens, ça l'éclate. Où tu vas, chérie? Je t'ai dit de rester tranquille. Il faut que tu apprennes à écouter. Laissez-moi tranquille! Je vous ai dit! S'il te plaît! Je vais t'apprendre les bonnes manières. Tiens, le gros! Brûle! Tu vas me le payer! Petite peste! Oh, on lui a défoncé la gueule! Bon! C'est reparti pour de l'infiltration en version. Ah, mais l'enculé, il ferme toutes les portes à clé derrière lui, quoi! La porte est fermée! Oui, bah, je vois ça! Ça brûle! Ok, ok, on a fait ce qu'il fallait! Tout le stress! Je déteste ce genre de phase! Ferme ma clé! Nice! Putain! Oh la référence à Shining! Ce type est cinglé! Mais dégage! Sale tête psychopathe, quoi! Jouer. Non, non, pas encore! Lâchez-moi! Oh putain! Coucou papa! Oh! Non, ah, qu'est-ce qu'il lui a mis dedans? Oh, Beck! Oh, Beck! Oh, c'est répugnant! 30 minutes plus tôt, ouais, bien sûr. Content de te revoir, Claire. Merci. On a une affaire à régler, toi et moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est très bien. Pardon. Ce que je veux. Je suis un peu malade. Apporte-moi le pendentif ou chérie meurt. Tu sais très bien ce que je veux. Toi, quoi, nu, quoi, dans 5 minutes. Tu veux que la fille meure? Non, il a pas l'air d'aimer les femmes. Bien. Où êtes-vous? L'orphelinat. C'est là que dans la cinématique, tu vois Tyran qui arrive derrière. Tu le trouveras. Chérie va bien? Tu lui fais du mal. J'y crois. T'inquiète, il a plus rien à dire maintenant. Oh la vache, c'est dégueu. Et nous allons pouvoir sortir comme avec Léon et Ada. Bien. Chic. Encore toi? Quoi? Quoi? Bye bye. Je me casse. Putain, on est content. Allez, on rentre et on ferme. Même scène que celle du début avec Léon. Yeah. Parce que recommencer tout le temps la même chose, c'est génial. Ah bon, on va pas dire, maintenant on est dans une nouvelle zone, on n'a jamais été. Le petit Oliver, il s'est retrouvé... Oh! Pas touché! Non! Ta gueule! Pas ma faute si t'as enfoncé un truc dans la gorge. Ouais, me touche pas, exactement. Ah, dégueulasse. Oui, oh mon dieu, c'est le cas de le dire. C'est pas vrai. Ouais, ça, où es-tu? Claire, oui, c'est moi. J'arrive tout de suite. Mais comment est-ce que tu t'es retrouvé bloqué là? Ouais. Oh, c'est pas vrai. Cours. Oui, bah toi aussi, cours. Vous avez vraiment pas enclenché la deuxième, vous, hein? Derrière toi! Non, sans déconner! La gamine qui courra du 2 mm, du mètre à l'heure là! Oups là! Eh coucou! Oh! C'est ma vie, connard! Ok, d'accord.
à démerdez-vous comme vous voulez. Et papa ? Oui, on reconnaît bien à son œil. Arrangez-vous entre vous. Putain de merde quoi. Alors on est mort. Oui, bien sûr. Quand je vous dis qu'on ne peut pas mourir en tombant de 50 mètres d'eau. Vous l'avez dit ? Réveille-toi. Ouvre Ada ? Ah non, pas. Annette. Bonjour. Bonjour Annette. Il y a ta fille qui vient de se barrer. Non infectée après toutes les morsures que j'ai reçues, tu sais. Chérie. Je suis trop fort. Qu'est-ce que tu as dit ? Où est-elle ? Nous nous connaissons à peine. Chérie va bien. Vous la connaissez. Je m'en bats les couilles de ma fille. Quelle incroyable démonstration de force. Que lui est-il arrivé ? On doit évaluer la situation. Je m'en fous, j'étudie. On doit évaluer la situation. Putain, Annette, elle est complètement barrée. Hein. Claire. J'avais pas prévu ça. Excusez-moi. Non, bah non, ça... Où est-elle ? Allô ? Hein ? Tais-toi, être inférieur. Oh, oui. Annette. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à William ? Je sais pas. Je sais pas. Responsable de tout ça. Quoi ? Allez, Claire, fais un effort. Je sais bien que t'es pas une lumière, mais tout de même. Évolue beaucoup plus vite que prévu. Où allez-vous ? Écoute, j'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions. C'est ça, quoi. Arrête d'en poser des questions. Je dois retrouver Chérie. Oh oui, ça se voit. Ne t'occupe pas de ma fille. Laisse-la courir librement avec son père psychopathe monstrueux qui lui court après. Après ça, c'est rebelote la petite promenade dans les égouts. Sauf que cette fois-ci, c'est pas pour sauver Adam et Chérie qui se retrouvent dans la benne à ordures. On apprend que Annette est une mère de merde et on se retrouve une nouvelle fois contre Birkin. Je vous passe le combat parce que c'est exactement la même chose. Sautons directement à la suite. Chérie ? Maman. Bah voyons. Chérie ? Quoi, elle est morte ? Oh non, elle a respiré les vapeurs toxiques. Chérie ? Claire ? Chérie, est-ce que ça va ? Oh, elle est infectée. Qu'est-ce que tu fais ? Je viens l'aider. Mais moi, au moins, je sers à quelque chose. Chérie a reçu l'embryon. Chérie a reçu l'embryon. Cette connasse. Non mais vous vous foutez de moi. Vous êtes sa mère. C'est pas sa vraie mère. Alors venez ici. Tu ne comprends pas. William est toujours en vie et si je ne l'arrête pas. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Attends. Attends. Donc ici on va soigner la gamine. Non, non, c'est pas ok. Ma foi. Oui c'est moi. Oui tu peux m'appeler comme ça à présent. Mais oui, bah t'en as déjà tué des milliers. Chérie. Elle l'a adoptée ou c'est sa vraie fille ? J'arrive pas à savoir. Adieu. Avec quelle connasse. Là. Ok. T'inquiète pas, le truc que t'as dans l'œil, ça va se régler tout seul. Accroche-toi, chérie. Quel cauchemar. Je te promets que ça va aller, chouchou. T'inquiète, gamine, t'es juste en train de te transformer en zombie, tout va bien. Ça va, Fifi ? Ça va ? Oui, bien sûr. Ta veste est si chaude. Est-il ? Ah, je vais filer ma veste, ok. Oui. Mon frère me l'a donné. Il paraît qu'elle porte chance, même si on n'a pas retrouvé notre frère. On sait pas où il est. Je sais pas ce que je ferais. Pas grand chose. Tu serais mort. Tu plaisantes. Tu t'en sortais très bien avant que je débarque et que je t'attire tout de suite. Ouais, je suis pas sûre. J'ai quelque chose à toi. J'en veux pas. Tiens, un balèze. Pourquoi ? Va te faire foutre avec ton médaillon de merde. Ma mère me l'a donné.
anniversaire. Tu deviendras médecin, chérie. Mais moi, j'ai envie de faire du théâtre. Médecin ! Moi, je voulais juste qu'elle soit plus souvent. Mais oui, comme tous les enfants, Fifi, mais... Mais les scientifiques s'en foutent de leurs enfants. Que ta mère s'en fiche. Non, en fait, elles s'en fichent. Chérie, viens. Oh, ça va, la gamine du truc de l'armurerie, elle a tenu bien plus longtemps. Hey, tiens bon, d'accord. Vous êtes arrivés au mur. Faudrait que je me fasse un petit harnais dans le dos pour pouvoir la porter. Ça va aller, je suis là. Ok. Il y a de la pizza. Je peux dire qu'il y a de la pizza. Voilà. Je vais revenir. Et maintenant... Maintenant, ma bonne Claire, tu vas devoir te retaper le niveau du labo exactement comme Léon, sauf qu'à la place du virus G, tu vas trouver l'antivirus pour essayer de sauver Chérie, te retaper une troisième fois le combat contre Birkin qui est toujours le même, et enfin le dénouement. C'est bien. Elle l'a soignée. Et Annette, elle est morte. Salut! Hey. T'as plus ton œil chelou, c'est bien. Tu as réussi. Oui, apparemment. Maman, je crois qu'elle est morte. Annette. Encore. Annette? Oh. Chérie. Ça va. Mieux que toi. Comment tu te sens? Ça va. Mais je m'inquiète. Mais non, mais non. Tout va bien. Tu devrais prendre des petites herbes vertes. Fume de la witch, ça ira mieux. Je dois voir le moniteur. T'inquiète, ça se voit, elle a plus son œil dégueu, donc c'est bon. Oh Dieu merci. Chérie va s'en sortir? Oui. Elle sera faible encore un moment, mais... Oui, elle est guérie du virus G. Oui. Sachant que c'est un virus et qu'on fait des vaccins contre ces virus... Elle aurait quand même pu lui filer pour être sûre que... Enfin ouais, peut-être que le but c'était aussi de la transformer, je sais pas. Méchante Annette. Gentille méchante Annette. Je sais pas. Je crois que vous êtes mort. Qu'est-ce qui lui est... Ton père l'a tué. Elle a été attaquée par ce monstre. Non. T'en fais pas pour moi. T'en non, fais c'est pas sûr. Pour moi. En super forme. D'accord, suis... pas de problème. Ouh. Pardonne-moi, chérie. Elle s'appelle Cerise. Plus ou moins. Ta vie est tout ce qui, ta vie est tout ce qui importe. Enfin, t'aurais déjà pu crever 50 fois si l'autre avait pas essayé de te sauver, mais... C'est vrai, on peut pas. Encore une fois, vous essayez de faire genre que c'est un truc temporel pareil, mais ça veut dire que Birkin et elle... Enfin, soit. Soit. Ne cherchons pas. Sauve ma fille, mais oui, j'ai compris. Sauve ma fille. Bah, je suis désolée, je serais plus émue si c'était la première fois que je la voyais mourir, mais... En plus, vu comme elle en avait rien à foutre de sa gamine, il faut dire au revoir à maman et courir maintenant. Allez, bye bye. Bye bye. S'il te plaît. Allez, rapido. Elle t'aimait, tu sais. Bah, elle était prête à te laisser crever dans une benne à ordures, mais... Allez. Elle t'aimait beaucoup. Allez, viens, Fifi. T'inquiète, elle est pas vraiment morte. Allez. Tu avais raison. Ouais, elle porte chance, je sais. Ah, oh, so cute. On parlera de tout ça plus tard. Il faut se dépêcher. Allez. Allez, c'est parti. Fichons vite. Allez, go, 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 go. Putain, on t'a pas appris à te presser, toi. Hein. Oui. Oui. Mais pas de soucis, tu peux m'appeler maman désormais. Contente de t'avoir rencontré. Moi aussi, tu m'étonnes. Contente, si j'étais tombée sur Léon, entre le petit cul et toi, il aurait vite choisi. Ça vaut le coup d'essayer. Le train. Ah mais... Un minigun.
What? Ok, nickel. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète. Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste ici. Oui, attends-moi là pendant que je fais ce combat de boss encore une fois. Je bouge pas. Bien. C'est bien. Sois prudent. Oui. T'inquiète. En avant! Bon. Alors, ça fait quelque chose. Oui! Mister X? Ça s'écrase? Mister X. Ah, peut-être pas Mister X. Qui ça? Je peux pas juste rentrer dans le train pour me... C'est une blague! Bah oui, c'est ça! Peux-tu décéder? S'il te plaît. Non! Ça c'est pas mourir! J'appelle pas ça mourir! Voilà, ça c'est mourir. Encore, s'il te plaît, meurs. Mais putain, mais c'est pas possible. Ah. Mais bon. Il a encore explosé. Putain, mais c'est pas possible. Et faites comme dans Dead Space, foutez-le dans un congélo. Et congelez-le. Fuck. Bon, chérie, j'ai encore dû tuer ton papa. Ça fait vraiment 7 fois qu'on le bute, hein. C'est pas possible. Combien de fois faudra-t-il que je te tue? Allez, go, go, go. Allez, c'est parti. J'ai toujours rêvé d'être un cheminot. Nos retrouvailles émouvantes. En mode, hé hey, j'avais dit qu'on s'en sortirait. Fin. Non? On s'en est sorti, Fifi. Mon coup de cœur est mort, mais c'est pas grave. J'ai une petite fille maintenant. J'ai un enfant pour compenser mon manque affectif. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire une fois dehors? Répandre le virus. Je veux voir ta maison. Je n'en ai pas. Ah. Ça tombe bien. Ah, je dois puer la merde. N'empêche, Léon et elle, ouais. Elle pue vraiment. Ils doivent puer la merde. Ah oui. Coucou Léon. Léon, je suis si contente. Je t'avais dit qu'on s'en sortirait. C'est vrai. C'est qui? Salut. Je te présente. Coucou. Chérie. Salut. Salut. Ah, qui se passe? Vache. Ah, la vraie fin. C'était quoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Je vais jeter un œil. Non, laissez-moi Léon. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Voilà. Coucou. Coucou! Attends, mais c'est encore l'autre con? C'est encore l'autre con? Mais putain, je croyais que ça allait être un autre truc, mais c'est encore l'autre débile! Non! Oh, c'était dans ça qu'il fallait que je tire depuis le début? Non, c'est bon? Est-ce que je suis mort? S'il te plaît! Putain, c'était encore Birkin, quoi! Putain, mais la multiplication cellulaire, il y a un moment, ça s'arrête. Il faut détacher ce wagon. J'ai déjà perdu une gongèche, tant pis pour toi. T'étais pas mon premier choix de toute façon. Le bâtard. Claire, ton sacrifice ne sera pas vain. Allez, Fifi, saute. Saute. Jack. Oh là là, là je vais encore plus avoir besoin d'une douche. Ok. Ce serait bien, ouais. Oh là là. Prends ma main. Chérie, ne regarde pas. Ton papa a eu quelques problèmes. Bye bye. Oh, le petit regard, genre... Je reviendrai. On n'en doute pas une seconde, mais pas dans celui-ci. Phew. Eh ben nom de Dieu. Il nous aura vraiment cassé les couilles, ce type. Voilà, tout est bien qui finit bien. Ils sont partis où, les zombies? Pfff. Alors, est-ce que tous les deux, vous sortez non. ensemble? Non. On est juste... En fait, on s'est rencontrés...
la nuit dernière. Non, en fait, j'aimais mieux une autre, mais vu qu'elle est morte, enfin, je crois qu'elle est morte. Premier rendez-vous. Ouais, je te le fais pas dire. Regardez, il peut peut-être nous prendre. Oui, bien sûr. C'est peut-être pas. Ouais. Emmène chérie. Bien. Salut. Dégage. Ok. Quel trou du cul. Voilà, c'était Live Another Day par The Great. Il va crever mon gars. Il était sympa ce mec. Ouais, super. T'as l'optimisme de cet homme. Alors, c'est fini? Oui, bien sûr. Je sais pas. Mais si c'est pas le cas, on s'en charge. Par tous les moyens. Par tous les moyens. T'as peut-être une petite musique de justicier là comme ça. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. On y va? Ouais, j'ai des nouveaux parents maintenant. Oh bien. Hé, hey, vous pouvez m'adopter. Oui. Adopter. On pourrait avoir un chien. Oui, chérie, bien sûr. Tu vas rester avec la dame pendant que moi je vais aller voir ailleurs, hein. Et maintenant, en ce mercredi bien calme, une chanson à réveiller les morts. Une chanson à réveiller les morts. Hey, à vous les studios. Bon, en vrai, la vraie fin, c'est pas mieux, quoi, c'est... Et vous pouvez m'adopter. Tu pourrais sortir avec Claire maintenant que ta meuf est morte. Et puis, ça part sur une blague vaseuse et ça se termine comme ça. Ok. Un peu déçu parce que franchement, pour moi, la partie avec Claire, ils auraient clairement dû la... clairement dû, pardon, la travailler... beaucoup plus en fait, de manière parallèle à l'histoire de Léon, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Le Birkin numéro 4 et 5 était pas si mal, donc voilà. C'est tout pour moi, on se termine sur Resident Evil 2 Remake. Je vous avais dit que je le ferais pas, mais je l'ai fait quand même parce que deux ou trois d'entre vous me l'ont demandé, donc je me suis dit pourquoi pas, de toute façon ça coûte rien. J'ai pas été fouiller le jeu à fond, mais je pense que j'ai quand même fait le plus gros, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher tout ce que vous voulez, à me donner des suggestions, à vous abonner si ça vous a kiffé, à activer la cloche pour voir la suite. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle série comme je l'avais prévu. Salut, salut!